4 heures en retard avant le dîner. Elle avait tout prévu, cette cigogne. Elle va voir ce qu'elle va voir. Ah, la voilà. Madame la cigogne. Grand-père de Rana. Quel honneur de moi de vous recevoir dans mon nom de logis. Sachez que c'est un plus grand honneur pour moi de vous voir, grand-père Rana. Asseyez-vous donc. Merci. Je tenais à vous dire que c'est très simple chez vous. C'est. Comment dire, le décor est simple, ça fait simple un peu. Ça fait quand même très. Mais c'est quand même très, très gentil. J'attends les moments où on s'installe devant une table chez une autre charmante comme vous, cher grand-père Rana, pour atteindre des plats succulents. Cher ami, je vous reçois en toute simplicité. Ah, mais j'adore la simplicité, monsieur. Veuillez m'excuser un instant, je vais surveiller la cuisson de mon plat. Je vous attends. Pour la simplicité, elle sera servie. Oh non! Une assiette! J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça! Qui m'est présent? Je te jure, Renard, tu vas m'avoir. Ma vagin sera terrible. Et dire que j'avais confiance en lui. Ma vagin sera terrible, Renard. Tu vas me le payer cher. Merci beaucoup. Manger dans votre assiette, elle est trop, plate. C'est... Désolé, cher ami, c'est tout ce que j'ai. Je suis réellement confus. Essayez donc de manger. Ce plat est tout à fait succulent. Je n'en doute pas une seconde, monsieur. Ça a l'air tellement délicieux, cette odeur qui se dégage de ce... Comment ça s'appelle déjà, monsieur? Cette chose, cher ami, s'appelle un bouet. Votre bouet m'a l'air vraiment délicieux, vraiment, mais... Ça... L'assiette me gêne vraiment, hein. Et puis on est coincé ici, je sais pas où on est, c'est... Là où on est un terrier. Un terrier, c'est creusé dans la terre. Exact. D'accord. Excusez-moi, j'ai vraiment chaud, c'est pas possible. Si je reste une minute de plus ici, je vais finir par m'évanouir et c'est... Vous imaginez un renard qui porte une cigogne sur son dos en pleine rue devant plein de monde. Vous imaginez la scène? Non, absolument pas. Désolé, mais je dois partir d'ici. Désolé de gâcher vos précieux instants avec vous. Et même si je ne peux pas manger votre plat délicieux, mais je ne peux pas rester ici. Je suis désolé. Sont si stupides. Ne suis-je donc pas Renard Pourrier?